Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de royauté et de mariage royal. Donc, décidément, c'est une série noire chez les princesses royales parce que le mariage d'une princesse vient d'être annulé pour cause du Covid-19. En effet, avec la pandémie qui sévit en ce moment en Europe et dans le monde, après la princesse royale d'Angleterre, c'est-à-dire Beatrice York, qui a annulé son mariage avec le bel italien, entrepreneur italien Eduardo Mabillo Mozzi, c'est au tour de la princesse Théodora de Grèce d'annuler son mariage avec son amoureux, ceux du nom de Matthew Kumar, un avocat londonien. Les deux amoureux auraient dû se marier sur l'île de Spetz ce mois de mai. Malheureusement, avec la pandémie, tout mariage n'est pas possible. Donc, le couple a décidé de repousser son mariage à plus tard, mais plus tard, on n'a pas encore de date. Et repousser ça de façon définitive. C'est assez intéressant. Est-ce que de façon définitive parce que le couple ne va plus se marier, ou alors c'est temporaire parce que, à cause de la pandémie, une autre date sera reprogrammée? Ça, ils ne l'ont pas précisé. Ils ont juste dit qu'ils souhaitaient repousser la date de façon définitive. C'est dommage. Ça aurait été un autre beau mariage dans la royauté européenne. On rappelle que Théodora de Grèce est la fille d'Anne-Marie de Grèce, une princesse danoise, et du roi Constantin de Grèce. Donc la Grèce étant une monarchie et dont les membres vivent maintenant entre l'Espagne, l'Angleterre et le Danemark, d'où vient justement la reine Anne-Marie. En fait, Théodora de Grèce, elle a fait des études et elle a décidé d'être actrice. Théodora de Grèce, il y a eu des rôles par-ci et là. Donc voilà, c'est dommage. Espérons que 2021 sera l'année de tous les mariages royaux, vu que 2020 a été une annus horribilis pour tout le monde, y compris la princesse Béatrice York d'Angleterre. Voilà, merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur like et aussi à vous abonner pour plus de vidéos. N'hésitez pas non plus, s'il vous plaît, à cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.